Yo, c'est Pedro, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui, je suis super content car je te partage une vidéo qui me prend aux tripes. J'ai eu beaucoup d'émotions en la montant et je pense que ce sera un souvenir mémorable pour toujours. Dans cette vidéo, je vais te montrer mon évolution depuis mes tout premiers essais pour avoir la sublime, la précieuse, si désirée straddle planche. Mais c'est quoi une straddle planche? Tu as raison, Fred. Avant de passer au vif du sujet, pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement, nous allons énoncer quelques points clés pour faire une straddle planche. Il faut que les deux bras soient complètement tendus, les coudes verrouillés vers l'avant et une protraction scapulaire. Pour cela, il faudra être capable de se pencher considérablement vers l'avant pour créer un bras de levier afin de mieux équilibrer le poids. Et enfin, le mot straddle signifie les jambes écartées. No rep, bitch! La finalité de la figure, c'est avec les jambes serrées, mais ça, c'est un level plus haut dont je te parlerai dans les prochains épisodes. Je ne sais pas si les gens qui ne font pas du calisthénique se rendent compte à quel point c'est jouissif d'atteindre une figure telle que celle-ci, mais en tout cas, peu importe ce que tu fais, j'espère que ça te motivera toi aussi à réaliser tes objectifs ou tes rêves, ou pourquoi pas te lancer dans ce sport magnifique. Je t'avais parlé de mon coup de foudre pour le drapeau humain, ça restera inoubliable, c'était une figure sexy, ma première fois, une belle amourette. Mais la straddle planche, c'est une valeur sûre, tu la maries, tu veux lui fonder une famille, lui faire plein de bébés, full planche, planche push-ups, maltese, one arm planche, etc. Tu verras, au début j'ai fait beaucoup de planches avec les bras pliés pour faire du renforcement car je n'avais tout simplement pas la force articulaire pour les garder tendues. Non, Fred. Ça s'appelle une bent arm planche. Et ça n'a pas du tout la même valeur ni le même degré de difficulté. Et si tu mets les coudes sous le ventre, ne me parle même pas de planche, ok? Ça s'appelle un elbow lever. Fais même pas le comparatif. Elbow lever, c'est Sailor Moon. Planche, planète Namek, tu vois? Alors évidemment, on ne commence pas en lançant directement des straddles. Il faut passer par des variations progressives. Comme par exemple la tuck, c'est-à-dire avec les genoux repliés. Tout simplement car plus tu ramènes le poids vers ton centre de gravité, plus ce sera facile. En progressant, tu pourras petit à petit commencer à déployer tes jambes. Pour les plancheurs puristes, je ne me considère de loin pas comme un pro en la matière, j'ai encore beaucoup à progresser. Mais tenant compte d'où je suis parti, je suis plutôt fier d'avoir atteint cet objectif. J'ai commencé l'aventure à un âge avancé avec une vie de famille et professionnelle très chargée. Mais pas d'excuses, quand t'es passionné, tu trouves le temps. Allez, sans plus attendre, je t'envoie les images auxquelles j'ajouterai quelques commentaires et on se voit à mi-chemin pour un premier débrief. Bon visionnage. Premier avril 2017, à presque 35 ans, Pedro part à la quête d'un nouveau rêve. Au début, je n'arrivais pas à faire une tuck bras tendus. J'ai donc commencé par faire des planches bras pliés. Au bout d'un mois, j'ai pu commencer les tucks bras tendus. Thank you.
de 2 mois, je commence à tenter de déployer, ce qui me vaut des premières douleurs aux avant-bras. Alors j'ai fait marche arrière pour faire uniquement mes tucks. Mais la tentation était trop forte, alors j'ai à nouveau tenté des straddles. Même en vacances, n'importe où, n'importe quand, l'obsession était présente. Mois, j'ai naïvement eu l'illusion de l'avoir fait. Qu'est-ce que j'ai kiffé ce moment! Je me sentais si près du but que cela m'a obsédé. Et cela m'a poussé à vouloir forcer le destin. Mais mon corps n'était pas du tout prêt à ce que j'étais en train de lui infliger. Les douleurs s'intensifiaient. Jusqu'à ce que la straddle et moi décidions d'avoir une rupture. Comme tu as pu le constater, durant les premiers mois, je n'avais pas un programme structuré, une mauvaise technique, à l'arrache, en mode fonce mon gars, I can do it, I'm a beast, yes baby, do it! Mais étonnamment, j'ai quand même eu une progression plutôt bonne, sans être exceptionnelle, mais surtout grâce à mon mental, en forçant le passage, il est vrai, ce qui m'a conduit, comme tu l'as vu, à des fails et des blessures. Mi-août, j'ai décidé carrément d'arrêter la planche car j'avais des douleurs insoutenables qui m'handicapaient même dans la vie quotidienne. Clairement, on va pas se mentir, j'ai trouvé plein d'excuses. La génétique, la morphologie, j'ai des jambes de footeur trop lourdes pour tenir une planche, etc., etc. Le panier de lâcheté était rempli à ras-bord au lieu de remettre en question ma méthode d'approche. C'est seulement 6 mois plus tard, en février 2018, après avoir fraîchement débloqué le handstand, que j'ai eu un reboost et l'envie de reconquérir à nouveau ma bien-aimée, la straddle planche. Mais cette fois, je lui ai sorti le grand jeu. J'ai regardé plein de tutos, histoire de me faire une routine efficace pour qu'elle soit mienne. J'ai alors commencé à faire 2 fois par semaine cette routine qui était vraiment spécifique que pour la planche. Elle durait environ de 2 heures, voire même jusqu'à 4 heures, moyennant des grands temps de repos entre les séries. Allez, le mieux, c'est que je te montre tout ça et on se revoit tout à l'heure pour la conclusion. Let's go!
Pardon. Tu l'auras compris, le fait d'avoir le handstand est vraiment une aide très précieuse afin de bosser la planche en négatif. J'aurais pu te balancer uniquement les derniers mois quand j'avais un programme structuré et te dire « La straddle, c'est easy mon gars !» Mais la réalité, mon pote, tu vas en chier. C'est un mouvement très compliqué qui te tue nerveusement et même si t'es un gars du fit game avec un bon bagage physique et de la force, tes articulations et tes tendons ne sont probablement pas prêts au choc qui les attend. Alors oui, il y a des mecs très chauds qui la killent très rapidement. Mais de manière générale, c'est vraiment un très long voyage. Il faut persévérer. Certains mettent des années. Il faut un mental de fou. Et surtout, le plus important, être très constant. Si tu comptes lancer des tucks une fois par semaine, mon pote, laisse tomber. Tu n'y arriveras jamais. Il faut que tu la sortes avec régularité. Et enfin, dernier point mais non des moindres, il faut éviter de se blesser. Ne force pas les choses, écoute ton corps. Comme tu as pu le constater, j'ai fait toutes les erreurs possibles, alors fais ce que je dis et pas ce que je fais. Voilà, on arrive au terme de ce premier épisode, édition un peu spéciale et plus longue. Dans les prochains épisodes, je te partagerai mes entraînements actuels pour te montrer comment la straddle planche et moi élevons notre petit bébé full planche. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit like qui fait plaisir. Donne-moi ton avis en commentaire, il me sera utile. Si t'es pas abonné, connecte-toi et fais-le. Et moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi et des tiens. Et puis surtout, n'oublie pas, level up! Pour avoir la sublime, la sprint. Afin de bosser la planche en négatif. Elle aime qu'on la prenne à l'envers, la petite cochonne. Ça va pas. Ça. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Level up! I can do it! I'm a beast! Yes, baby! You can do it! You can do it! Je me suis emballé là. Non, ça on va pas mettre.